Hello tout le monde, c'est Ron, comment allez-vous? Moi je vais bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle mission, un nouvel épisode pardon, sur Mass Effect 3 sur PC en parallèle avec Gameplay.com. Et dernièrement on avait terminé les trois missions sur Kuchanta, Tuchanka, voilà. J'étais presque au niveau du nom. Et du coup ce qu'on va faire, je vais voir s'il me reste du carburant. Ouais, je suis encore plein. Longtemps que je vais pas visiter des autres... constellation des autres trucs, je suis tranquille. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste la citadelle, base de chasseurs, événement de Cerberus, ou laboratoire tout en haut, c'est quoi? Laboratoire de Cerberus, ou là ici, enquêter sur l'éclaireur disparu. On va aller à la citadelle. D'ailleurs, si je me rappelle bien, c'est que il se passait un truc avec Oudina là. Entrer dans l'orbite, je vais demander d'aller sur le Kiki. Contrôle de l'Alliance, ici le SSV Normandie. Autorisation d'accoster? Contrôle de l'Alliance, ici le SSV Normandie en route vers la baie 1-4, secteur Zakera. Sommes-nous autorisés à accoster? Bon sang, qu'est-ce qui se passe là-dessous? Même si c'était une panne, des systèmes de secours seraient activés. J'ai un mauvais pressentiment. Je vérifie les canaux d'urgence. Non. Non, 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 non! Qu'avez-vous trouvé? Écoutez ça, commandant. C'est un message de détresse émis en boucle par une tour de transmission. À tous les vaisseaux, la citadelle est attaquée. Ne tentez pas d'atterrir. Cerberus contrôle les quais. Prévenez la flotte concilienne. Expédiez des renforts au QG du SSC. La station tombera avec lui. On aurait dit le commandant Bailey. Où dois-je placer le Normandie? Les quais sont pris. Déployons-nous dans la navette. Rapprochez-nous du QG du SSC. À vos ordres, commandant. Ça va partir en steak. Hop. J'ai un peu refait les améliorations d'armes, d'armure et tout ça. D'ailleurs, vous voyez que je suis assez lourd, hein, du coup. Ils ont pas de mode d'armes. Je sais pas comment on fait pour mettre des modes d'armes sur. Moi, je n'ai mis. Pouvoir. Oh, tiens, on me demande de mettre des pouvoirs maintenant, c'est nouveau. Collecter plus de points. Bam, bam, bam. Coup 5, 4, 3, 4, 3, 3, 4. En fait, pas à faire. J'ai les paliers à faire. Hop, on confirme. C'est rare, ils m'avaient jamais demandé de mettre des points. Au moins, ils sont en automatique, mais bon. YOLO! Fais volonté! Bon, je vais passer par là-bas. Tiens, mange.
Hop, comme ça on peut faire chier que ça. Pareil. Putain, mais ils ont une galère à mourir, hein. Casse les couilles. Ah, mais. C'est parti. Oh. Die, bitch! Toi, tu dégages. Ah, c'est bien. Vous êtes grièvement touché. Tout va bien. C'est moins grave qu'il n'y paraît. Il était temps que la cavalerie arrive. Comment est la situation? Vous savez si les conseillers sont vivants? Ils sont dispersés. J'en saurai plus en ayant accès au terminal du SSC. Vous pouvez nous faire entrer? Je vais prendre la porte. Si personne ne me tire dessus ce coup-ci. Il me semble que j'avais reçu un message comme quoi avec Udina il y avait un truc qui se passait. Ça, il y a une taupe. Nous y voilà. Tu me ferais penser accès à Udina. Au réseau du SSC de la part de Cerberus. À quoi ça va nous servir? Cerberus contrôle les canaux principaux, mais je peux en ouvrir un autre. Sans ça, nos agents n'ont ni plan ni espoir. Eh ben... Vous avez quoi? Un avertissement du conseiller Eschil. Elle devrait être ici pour voir l'exécuteur. Cette action pourrait entraîner une riposte. En voilà un euphémisme. Si elle est avec eux, elle est dans le pétrin. Un conseiller, c'est mieux que rien. Où dois-je aller? Peut-être dans le bureau de l'exécuteur. C'est une position facilement défendable. C'est parti. Une seconde. Voilà, on peut parler par Omnitech. Allez. Ok. Ok, je vais aller dans ce bureau. Très bien. Je sais pas pourquoi je vais ouvrir la porte, ça va être Bagdad, je sais pas pourquoi. Verre de merde. Ça va, j'ai une plus grosse capacité de chargeur et tout, du coup je peux y aller YOLO sur le tir. Ah d'accord, en fait il y avait une vie. Mais cassez-vous. C'est bizarre, des fois ils mettent des interactions sur des trucs, mais on peut rien faire quoi. Comme sur Mars, Cerberus aime les agents dormants. Moi je te dis, il y a putain de traite dedans. Et on m'avait parlé d'Udina qui avait une couille. Faire mal mon arme là. Avec les améliorations que j'ai mis. Des petits bouts d'armure, ce que j'aime.
fou, ça. Ah, c'est l'ascenseur. Montez si vous voulez vivre. Vous avez trouvé des secours. Ils ont été téléportés. Bon sang. Cherchez encore. Oh. Bah je crois qu'il est mort. Richfield, l'amant, vous êtes vivant? Non. Vous pourriez éviter d'alerter tout le monde? Si les coups de feu ne les avertissent pas, ça me paraît mieux. Hop. Ça, je prends. Allez, cassez-vous! Putain! Non, je vais juste le prendre. Y'a rien. Oh, des tirs. Sans crédit. On est là, on est là, ne vous inquiétez pas. Oh le fight. Allez, sort ton trou. Attends, je suis pas con, il y avait bien quelqu'un là. Bah merde. J'ai cru voir quelqu'un se cacher derrière ce poteau là, mais apparemment il est mort. Putain, mais arrête de te cacher derrière des trucs, t'es relou quoi. Ça sent le robot. Bailey, on dirait qu'ils ont eu l'exécuteur et deux gardes du corps galarien. Bon sang. Ok, cherchez encore. Si vous ne voyez pas le corps du conseiller, c'est qu'elle est vivante. Nous l'avons trouvée. Elle a l'air indemne. Mettez-la à l'abri. Oh. Je dirais le surfeur hein, dans Marvel. Enfin, je sais plus comment il s'appelle plus. Pas le surfeur d'argent, mais l'autre. Dans Captain America. Ça, ça reste à voir. Soldat de glace ou je sais plus quoi. C'est à commenter. Les autres conseillers vont droit dans un piège. Trois contre un, mon pote. C'est la fin. Non, on va s'amuser. Bah ouais, Google. Vous allez le payer très cher. Tu crois que se mettre invisible, ça va changer quelque chose. Putain, mais quel con quoi. Le conseiller, qu'est-ce qui se passe là-haut, bon sang? Il y a un assassin, il prend la fuite.
Il doit être aux trousses du reste du conseil. Faites tourner l'info. Udina tente de s'emparer du pouvoir. Je dois atteindre les conseillers. Bah voilà, je savais. On les emmène. Il y avait une histoire de Udina. Sur le présidium. Vous pouvez démarrer. J'essaie de les contacter. J'ai du neuf sur la position du conseil. Je l'envoie à votre voiture. Bon travail, Bailey. Nous y sommes presque. Problème. Au moins, on atterrit. Non, c'est pas vrai. Avez-vous pu contacter le conseil ? Négatif. Leurs gardes sont morts. Mais nous captons toujours des signes vitaux sur les transpondeurs du conseil. Là, apparemment, y'a rien. On se dirige-t-il ? La plateforme pour navette au-dessus de la place Chalmar. Udina est avec eux. S'ils les amènent à portée de cet assassin, tout sera foutu. Dégage, toi. Rien ne m'arrêtera. Putain, m'a fait peur. Désolé. Ils tiennent pas en place, pas vrai? Tiens, bouffe. Pas moi son pouvoir de fixe. Votre cage. Tous les petits recoins ici. C'est un truc de fou. Yo lolo, ça a l'air d'être grand ici. Allez, putain de robot de merde. Je suis sur la place Chalmar. Où est le conseil ? Dans un ascenseur. Ils essaient d'atteindre le quai des navettes. Quelqu'un les suit. Quelqu'un qui porte une épée. Génial. Ouais, bah c'est l'assassin ça. Aïe! Passe au-dessus! Hop, on fait un petit soin. Un petit soin de soin! Ok. Putain, c'est quoi, je me trompe? Alors, hop.
Putain, le con. Je suis auto-balancé une grenade, quoi. Oh putain, j'ai fait carnage. D'accord, ok. J'ai balancé une grenade, tout minuit, très bien. C'est une bombe nucléaire, mon truc. Non, c'est pas là. Ça pue dans le gouvernement. Coucou. Attends, il n'a pas qu'un à l'épée là, il n'a quatre hein. Je vais pas aimer ce qui va se passer. Ok, je suis dans la cage. Accrochez-vous, l'ascension sera rapide. Dites-moi que cet assassin n'a pas atteint le conseil. Il essaie, mais je force son ascenseur à s'arrêter à chaque étage. Bien vu. Je l'ai trouvé. Bousillez son ascenseur. L'alimentation est juste là. Bon débarras. Dégage. Et voilà. Tu parles. Mauvaise nouvelle. Est-ce qu'on a des bonnes? L'assassin a sauté dans un autre ascenseur et il a piraté mes commandes. Il monte en ce moment. Je ne peux rien faire. Il y est mon tour. En charge. Les voilà. Et où? J'aime bien ce petit passage où tu détruis des ascenseurs normal. Vous avez senti? Des tireurs, baissez-vous! Allez! Non, c'est nous! C'est nous! Lala. Ça atteint la navette. Que tout le monde retourne à l'ascenseur. Shepard? Shepard nous empêche de fuir. Il est avec Cerberus. Udina, je m'en charge. Shepard, baissez votre arme. Je suis là pour Udina. Restez en dehors de ça. Pas question. Il ne reste plus que moi. On n'a pas le temps de négocier. Vous vous êtes fait tout savoir. Udina est derrière tout ça. Le conseiller Galarien l'a confirmé. J'ai pourtant la preuve du contraire. Voici le conseiller Péchil se faisant assassiner dans le QG du SSC, et voici Shepard qui presse la détente. Vous allez le payer très cher. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Ouais. Shepard? L'ascenseur derrière nous est rempli de soldats de Cerberus. Si vous ouvrez cette porte, ils vous tueront tous. Ce que dit Shepard est possible. Peu probable, mais possible. On n'a pas le temps de disserter. Si nous restons ici, nous sommes morts. Je lève le confinement. Assez, ou votre propre marine va vous tirer dessus. Ash, merde. Conseiller, la porte! Non, je vais pas lui tirer dessus, moi. What? Mais attends, je voulais pas tirer sur H, moi, j'ai pas cliqué! C'est qui a tiré dessus? C'est Garus ou quoi? Ashley. Je devais faire un choix, Shepard. J'ai appris ça de vous. Commandant! Reculez, je vous couvrirai s'il passe la porte. Putain, mais moi, c'est Garus qui a tiré dessus ou quoi? La porte!
On a fait aussi vite que possible, Shepard. On dirait bien que vous avez tout réglé. Alors c'est vrai, nous étions en danger. Mais je ne comprends pas. Vous disiez que Cerberus était là. Cerberus était juste là. Mais leurs troupes ont filé dans les tunnels des Veilleurs quand ils ont su que nous arrivions. Navré, conseiller, j'irai droit au but. Shepard vous a sauvé la peau. Alors je vous suis redevable, Shepard, pour nos vies et pour l'accord entre le Primarque et le Krogan que je ne parvenais pas à obtenir. Notre vie a été chèrement payée. Shepard, pourquoi Cerberus ferait une chose pareille, à votre avis? J'en sais rien. Mais je compte bien trouver. Très bien, les gars. Les grands ponts sont évacués et nous avons un tunnel et 1000 autres endroits à nettoyer. Bougez-vous! J'aime les prises de vue comme ça où il se passe rien. Oui. Ça ne s'est pas passé comme prévu. Le Conseil contrôle toujours la citadelle. Et Udina est mort. Udina était sacrifiable. Et maintenant? D'autres plans sont en branle. Je vous en dirai plus à votre retour. Je suis surpris que vous ayez laissé Shepard vous battre, Leng. Ça ne se reproduira pas. Nous verrons. Nous verrons. On a passé au crible la moindre parcelle de ces tunnels, Shepard. Votre copain de chez Cerberus s'est volatilisé. Ce sont des tunnels, exact? Juste une entrée et une sortie? Non, ce tunnel des Veilleurs mène du hall des ascenseurs vers une superstructure. Une fois dedans, c'est comme visiter une fourmilière. On ne connaît même pas son identité. Il a lâché une IV dans le réseau de la citadelle qui a effacé toute trace vidéo de lui. C'est sûrement comme ça qu'Udina a pu avoir si vite des images trafiquées de vous. Qui que ce soit, c'est un pro. C'est un être comme vous et moi. Il commettra une erreur. J'espère être là pour le voir. Beaucoup de braves gens sont morts aujourd'hui. D'ailleurs, il faut que j'aille voir les blessés. Faites attention à vous, Shepard. Ok. Bah du coup, je pense qu'on va s'arrêter là. Il n'y a plus rien à me dire. Il y a tant d'éléments à reconstituer. On commence par les implications. Ouais, le futur. Il est mort. Pas le temps de sortir. Ouais. Allez, blablabla. Ok, bah du coup, je pense que je vais m'arrêter là. Je vais aller faire un petit tour en off dans toute la citadelle, voir ce qui a changé ou... Ah, je peux même plus rentrer dans son bureau du coup. Voir ce qu'il y a à faire, des petits trucs à côté. Voir peut-être des achats ou quoi, vu que j'ai pas mal d'argent je crois. Du coup, j'espère que la petite vidéo vous aura plu. Des formations dans la citadelle pour les cadets et assurer qu'ils attaquent de leur école, mais ils ne sont pas encore prêts à rejoindre leurs années au combat. Les autorités de la citadelle trouveront de la place pour... Ouais, allez, approuve. Jambier. Ah si, je l'ai acheté. Hop. Du coup, j'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, partager, aimer la vidéo, rejoindre la chaîne, le Facebook, le Twitter, tout le lien sur la description. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Portez-vous bien et à bientôt. Shut up.